Bonjour à toutes. Alors, petite intro pour ma nouvelle vidéo, pardon. Vidéo qui est un petit peu la suite de ma vidéo album Jalon. Alors, je ne savais pas trop j'allais présenter ça. Hein, pour la petite histoire, hein, j'ai recommencé à acheter des vinyles en 2008. Et bien entendu, en 2008, malheureusement, il n'y avait plus de disquaires sur Aix-en-Provence, il n'y avait que la Fnac. Et la Fnac, au niveau des vinyles à l'époque, hein, c'était deux espèces de présentoirs en carton, avec dedans, ou même deux, qu'est-ce que je dis deux, il n'y en avait peut-être même qu'un par moment, à un moment, il n'y en avait qu'un seul, avec une vingtaine de disques et que des trucs sans grand intérêt. Pour trouver des vinyles, il aurait fallu aller à Marseille. Alors j'y suis allé de temps en temps, hein, notamment, je me rappelle, un des premiers disquaires que j'avais visité, c'était Massilia Records, qui était Courlioteau. Et puis un petit peu plus loin, il y avait le Lollipop Music Store, qui est toujours actif, hein, chez qui il m'arrive encore d'aller quand j'ai le courage d'aller sur Marseille. Ça me fait quand même pas loin de 45 km. J'ai pas forcément envie de me taper 45 km d'autoroute avec les bouchons et puis trouver à se garer. Enfin bon, bref. Bref, donc quand j'ai commencé à chiner, à acheter des vinyles, pardon, j'ai tout naturellement visité les vide-greniers. Et puis il y avait Emmaüs, un plan de campagne. Et puis dans le centre d'Aix, le bouquiniste. Un bouquiniste qui avait quelques bacs de vinyle, j'ai trouvé des choses très très intéressantes chez lui, à des prix très raisonnables. Et puis il y a un dépôt-vente, hein, qui s'appelle Oka Déco, qui est à côté de la Rotonde à Aix-en-Provence, où j'ai aussi trouvé à l'époque pas mal d'albums. Donc ce que je vais faire dans cette seconde partie, je vais essayer de faire pas trop trop long, je vais vous présenter peut-être alors un choix d'albums que j'ai chiné entre 2008 et maintenant, peut-être faire même plusieurs vidéos pour vous montrer ce que j'estime être le plus intéressant de ce que j'ai pu chiner. Bon, il faut savoir que quand j'ai recommencé à chiner, je suis sûr que je suis passé à côté de plein d'albums hyper hyper passionnants, hyper intéressants, parce que au début, tout bêtement, hein, j'ai voulu retrouver peut-être des albums que j'avais avant de passer au CD, que je voulais retrouver, hein, et ce qui fait que je me suis focalisé pendant un premier temps sur des albums de classique rock, hein. Mais bon, c'est pas ce qu'on trouvait quand même déjà en 2008 le plus facilement, même si j'ai trouvé quelques albums super super sympas à ce moment-là. Et puis bon, quand même de temps en temps, je prenais un petit peu de risque pour prendre des choses. Et puis au fil du temps, même si je suis parfois très content de tomber sur quelque chose un album de rock plutôt classique. Comme vous avez pu le voir maintenant dans mes dernières vidéos, je cherche plutôt des choses qui sortent quand même un petit peu de l'ordinaire. À propos de choses qui sortent de l'ordinaire, hein, je ne sais pas si vous voyez là, bon, j'en parlerai dans une vidéo acquisition dans quelques temps, hein. C'est le dernier album que je viens d'acheter, du jazz, mais plus que ça même, très accessible, hein, musicalement, Steve Potts. Mais je vous en reparlerai plus tard. Acheter réédition au souffle continu, à la fois disquaire et label. Voilà. Bon, on va commencer, hein, avec quelques albums, les premiers albums jalons de mon retour au vinyle. À tout de suite. Je coupe et puis je reviens avec les disques. Donc, me voilà revenu. Alors, c'est peut-être le hasard ou pas. Je vais vous présenter trois albums que j'ai achetés la première année en 2008, hein, chez le bouquiniste, justement, quand j'ai commencé à
à le fréquenter. Je reviendrai après dans d'autres vidéos sur des albums chinés en vide-grenier, par exemple, hein, ou à l'autre dépôt-vente. Et donc, pour refaire un peu les choses dans l'ordre, hein, c'est que le premier album que j'ai acheté chez lui, c'est cet album. The Clash, Sandinista, triple album. C'est un album de 1980. Je l'avais payé 10 euros à l'époque. Hein. Bon, il n'était pas en parfait état, il manquait même des sous-pochettes. Hein. Par contre, les disques étaient vraiment, vraiment plutôt bien. Hein. Hop. C'est à l'endroit ou pas, voilà, j'y suis arrivé. Hein. Voilà. Ça, c'est le premier album, hein, dans mes souvenirs, que j'ai acheté chez ce bouquiniste. Hein. Et complet, hein, avec le petit flyer, enfin le flyer, le petit insert à l'intérieur. Hein. Bon, un petit peu déchiré, enfin un petit peu déchiré, plutôt en bon état, hein, pour un album de cet âge-là. Hein. Et c'était vraiment une très très bonne surprise. Je connaissais les Clash, hein, évidemment, mais bon, j'avais pas de vinyle des Clash, hein, et donc ça a été un de mes premiers achats, ou même le premier achat chez ce bouquiniste. Hein. The Clash, Sandinista, super album, hein, entre reggae, dub, rock, enfin punk, c'est quand même très très varié, c'est très très copieux quand même, triple album, hein, c'est à mon sens, c'est un des indispensables de ce groupe. Hein. Bon, évidemment, London Calling est sans doute premier album à avoir, hein, des Clash, hein, mais celui-là, vraiment, ça vaut vraiment la peine d'essayer de le trouver. Puis moi, au cours des années, alors l'album London Calling, c'est mon fils qui me l'a offert pour un anniversaire, une réédition. Et puis après, au cours des années, j'ai trouvé pas mal d'albums de The Clash en vide-grenier, en dépôt-vente, en ressourcerie, ou même à Emmaüs. Non, à Emmaüs, non, j'en ai jamais trouvé. Mais en tout cas, voilà. Premier album, un des premiers albums achetés en 2008, hein, racheté en 2008. C'est cet album de The Clash. Et puis, toujours chez le même bouquiniste, hein, qui était dans le centre d'Aix, pas loin de la mairie, et quand j'ai acheté l'album des Clash, il y avait ça dans le bac. The Dogs. The Dogs et l'album Too Much Class for the Neighborhood. Hein. Et j'ai hésité à le prendre. Alors, je ne sais pas pourquoi je connaissais les Dogs, mais je les connaissais comme ça. Pour les avoir entendus parfois à la radio sur France Inter tard le soir quand j'habitais Toulouse, hein. Mais je les connaissais pas plus que ça. J'étais pas très rock français, hein. Et puis dans les années 80-82, je m'intéressais plus au classique et je commençais à m'intéresser au jazz, comme j'ai pu vous le dire dans ma première vidéo Jalon. Et donc, je surpassais plusieurs fois pour voir s'il y avait des disques et tout. Puis un jour, je me suis dit, ah, je vais quand même le prendre. Il était à 8 euros. Hein. Quand on voit les prix qu'il peut atteindre maintenant, parce que c'est l'album original. Hein. Et puis, bon, c'est une tuerie, quoi. C'est une tuerie de rock, de garage rock, très élégant, très, très classieux, quoi. Enfin, vraiment, les Dogs. C'était vraiment la classe à l'état pur, hein, la classe à l'état pur. Bon, depuis, c'est pareil, hein, j'ai réussi à retrouver d'autres albums des Dogs, mais pas sur Internet, Presse Ministère à l'époque, avant que ça s'appelle Rakuten, et puis en convention. J'ai réussi à retrouver des albums des Dogs à des prix quand même très très abordables. Puis je crois que j'en ai acheté un quand même, une réédition récente, il y a quelques années à la Fnac, je sais, c'est pas bien, mais bon, on n'a pas toujours la chance de tout trouver chez son disquaire. Enfin, ça c'est voilà, ça c'est un des albums
incontournable de ma collection, hein. Vraiment, vraiment très très chouette album. Et c'était chez mon disquaire. Et puis, un autre album acheté chez mon disquaire, qu'est-ce que je raconte? Chez mon bouquiniste. Bouquiniste, je vais marquer en gros bouquiniste. Et je vais vous mettre le nom de ce bouquiniste. Actuellement, le bac de vinyle s'est réduit un peu en peau de chagrin. Hein. Il avait à l'époque, quand je commençais à y aller, il avait au moins trois gros bacs. Après, il a dû déménager, il est passé d'un local à un autre juste à côté, hein, et ça s'est réduit à deux bacs. Et là, actuellement, ben, il n'y a plus que deux bacs de vinyle. Et puis, bon, il faut y aller très régulièrement pour espérer trouver des choses. Hein. Bon, ça arrive encore, mais de moins en moins fréquent, parce que je pense que ben, y a peut-être moins de gens qui apportent des vinyles. Hein. En tout cas, chez lui. Hein. Et puis, voilà. Toujours pareil, chez ce même bouquiniste, hein, Barney Willem, French Ballad. Alors, Barney Willem, hein, je vous en ai parlé quand je vous ai présenté l'album La Note Bleue. D'ailleurs, j'ai découvert Barney Willem avec cet album, hein, parce que je ne connaissais pas vraiment. Hein. Et puis, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve les autres albums de Barney Willem. Et malheureusement, c'est très, très, très difficile de trouver ces albums. Mais là, j'ai eu cette chance-là. Alors, c'est un album un peu particulier. C'est un quartet, hein. Barney Willem joue du saxophone ténor et saxophone soprano. Il y a un pianiste, Michel Graillier, un bassiste, Ricardo Delfra, et un batteur, Sangoma Everett. Hein, je vous montre les noms. Voilà. Et comme vous voyez, les titres, hein, c'est une mise en jazz très très cool, très très soft, très 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 classe, hein, de titres de la chanson française à la limite, hein, L'âme des poètes de Charles Trenet, Syracuse d'Henri Salvador, Sous le ciel de Paris, My Way, hein, et c'est très 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 beau. C'est un album quand même qui est assez recherché maintenant. Je ne sais pas combien ça peut valoir sur Discog. Hein. Bon, parce que Discog, c'est la référence, pas toujours. Hein. Je pense qu'on peut trouver facilement moins cher ailleurs. Hein. Mais ça permet de se faire une petite idée un petit peu de la rareté peut-être des albums. Hein. Voilà. Donc là, c'est courte vidéo, hein, pour vous présenter trois de mes premiers achats. Trois de mes premiers achats chez ce bouquiniste à Aix-en-Provence. Il y en aura d'autres, hein, et puis il y aura d'autres vidéos, hein, qui vont venir avec d'autres albums que je vais vous présenter très rapidement. Alors je vais essayer quand même de mettre un petit extrait, sans doute de cet album, ça sera plus facile que les Clash ou peut-être même que les Dogs. Enfin, je vais voir, hein. De toute façon, je vais faire mon petit zapping auditif, visuel et auditif, sonore, juste après, hein. Voilà, donc bah écoutez, je vous laisse avec cette courte vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye! Hop!